Salut à tous, c'est Julien, c'est Eric Rec pour une nouvelle vidéo de Euro Truck Simulator 2. Évidemment, nous sommes toujours sur la même map, la map MHA Pro, et nous sommes passés sur la version 1.8.1, et j'espère qu'il n'y aura pas de gros bugs ou de très grave. Et là, je suis pas dans le lieu habituel, regardez, je suis dans une ville, c'est Michello, parce qu'en fait, je me suis un peu promené en fait en off. Voilà, et je me suis garé dans un petit dépôt nucléaire, hein, un petit dépôt sympa de nucléaire, voilà. En haut Luxembourg, je crois, ouais, je crois que c'est au Luxembourg, ou non, au sud de l'Allemagne, voilà. Donc là, voici hein, le dépôt nucléaire, hein, là, petit, petit. Et donc là, nous allons continuer notre route, en fait, en direction de Auxerre, oula, c'est ça. Donc, les modes que j'utilise, alors c'est les mêmes que la dernière fois, voilà, les mêmes maps, sauf la map MHA, que je suis passé en version 1.8.1. Je crois que c'est à cause des nouveaux préfabs de SLD qui font ça. Bon, donc j'espère que sur d'autres maps, j'espère qu'en roulant sur la Russe map, sur la Roue map, j'aurai pas de bug de préfab, parce qu'il paraît que le pack de préfab a une nouvelle mise à jour et tous les préfabs deviennent tous rouges. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il me demande de tourner à gauche, comme c'est trop bizarre. Bon, on va tourner à droite et on va prendre une nouvelle route. Donc aujourd'hui, oula, je me prends toutes les barrières, mais tiens, c'est pas possible tout ça. Oula, là. Heureusement, j'ai eu le dommage, parce que sinon ce serait n'importe quoi. Bon, on va retirer ce GPS pourri. Bon, ok, totalement fail au début, c'est n'importe quoi. Là. Donc cette vidéo, je pense que vous la verrez dans très longtemps. Hein. La vidéo, je la tourne en fin mars, très fin. Fin mars, voilà. Et vous la verrez peut-être en avril. Enfin bon. Voilà, il y a un gros décalage en fait sur mes vidéos parce que tellement ma connexion est nulle et tout. Enfin bon, voilà, je vous les expliquerai ça évidemment dans une vidéo ultérieure où je vais parler de la progression sur YouTube comme prévu en fait. Bon, attendez. Je regarde la carte du monde là. Et après, on va parler du sujet du jour. Alors, oula. Revenir la route ici, c'est bizarre ça. Ok, ah je crois que c'est une route de montage, mais c'est pas. Donc nous allons aujourd'hui comme le mois de c'est la dernière fois que j'ai absolument rien à dire actuellement. Oh non, mais non, arrêtez là, c'est abusé. Mais non, c'est pas possible, et je suis exprès. Okay. En fait non, je suis pas exprès, c'est juste moi qui est totalement nul. Bon allez, sortons vite de cette vie chelou là. Voilà. Donc le sujet du jour aujourd'hui, c'est le compte rendu du trafic de cet hiver. Et oui, l'hiver, hein, aujourd'hui on est le 28 mars et l'hiver c'est déjà terminé, donc on passe au printemps. Mais évidemment, avant c'était l'hiver et il y avait les vacances d'hiver. Voilà, j'ai fait aussi plusieurs vidéos de ce genre-là aussi, mais sur là, sur le multijoueur en parlant du contrôle du trafic de l'été. Si vous en souvenez, hein, j'ai fait 3 vidéos dessus, je parlais de chaque autoroute. Bah là, aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais pour l'hiver, mais il y aura un changement en fait. Ce sera par week-end, voilà, ce sera automatiquement par week-end. Non, non. C'est quoi cette conduite? Donc j'arrête les bons.
Non, il dit, mais non, il me fait un détour. Ah, j'ai compris pourquoi. En fait, je voulais pas passer par là. Pour moi, on va utiliser la ville de Kirch. Et on est donc en septembre, je me souviens. En septembre et en octobre, j'avais fait une vidéo en fait où je faisais un propre rendu de trafic de l'été. Et cette fois-ci, ça va faire l'hiver, mais ce sera week-end par week-end. Voilà, week-end et par autoroute, évidemment. Donc déjà nous allons faire une petite généralité. Alors cet hiver il y a eu pas mal de monde qui est allé vers les Alpes. Évidemment il y a eu deux gros épisodes neigeux, le 27 décembre et le 21 février. Voilà si vous en souvenez bien sûr. Les accès vers les Alpes, en fait il y a de plus en plus de monde qui veulent aller faire du ski, qui veulent aller au ski. Alors c'est la crise, en fait j'ai une explication à cela, c'est que en fait les gens ils économisent un maximum, c'est-à-dire qu'ils dépensent pas un sou. Voilà. En fait, ils misent tout leur argent pour passer une semaine au ski. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens disent qu'en fait, c'est pas la crise. Mais en fait, si, c'est la crise. Mais c'est, en fait, c'est les gens qui économisent leur argent. Et on va acheter le garage qui se trouve ici. Là, les gros lags, les lags, c'est pas possible. Hein. Et voilà, un nouvel accident évidemment. Voilà, vous connaissez bien ma conduite, hein. Voilà, je pense que The Tanguy ne vaut rien devant ma conduite extrême. Voilà. Ouais, des camions arrêtés. Alia est arrêtée à cause de moi, je crois. Ouais. Et parce que tout à l'heure, voilà, à cause d'accident, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, on va faire week-end par week-end. Alors, nous allons commencer en décembre, le 20 décembre. Alors. 20 décembre, c'est le premier samedi des vacances et j'étais en cours, malheureusement. Mais heureusement, je me suis levé tout pour regarder le trafic le matin et il y avait un accident, en fait, sur l'autoroute A5, entre 3 et Londres. Et il y avait un bouchon au départ de 3 km, hein, c'était à 7h du matin. Et sur l'autoroute A6, la circulation était aussi assez dense aussi, mais il n'y avait pas encore de bouchon. D'ailleurs, l'autoroute A6 était assez dense, mais il n'y a pas eu de réel bouchon, en fait. C'est juste des carrés qui sont comme ça. Donc la 5, elle, il y avait déjà des gros bouchons, déjà à 7h du matin. Et ouais. Des gros bouchons déjà sur l'autoroute A5 à cause d'un accident, en fait, ça implique un poids lourd. Et donc, à 11h, qu'est-ce qu'il y avait à 11h, circulation ralenti sur l'autoroute A6 avec une petite zone de ralentissement, mais rien de spécial. Mais sinon, gros bouchon sur l'autoroute A5 à cause de ce fameux accident. Évidemment, circulation dense sur d'autres axes, hein, je pense à l'autoroute A10, en fait, sur la 43. Mais c'est rien comparé au prochain jour. Oula, c'est pas possible, ça. Je m'achète un volant, d'ailleurs. Faut que j'ai un nouveau PC, faut que j'ai un nouveau volant. Voilà, en fait, faut que je change tout, en fait. Bon, là, c'est pas possible. Et voilà, encore un nouvel accident, super, je sais pas, je n'ai pas encore compté les accidents pour de cette vidéo, mais bon. Donc le 24 décembre, alors le 24 décembre, c'est avant Noël évidemment, et il y a pas mal de gens qui partent en vacances, qui partent chez la famille en fait, hein, en général chez les grands-parents, souvent chez les grands-parents, voilà, au centre de la France ou en Bretagne. Donc ce que nous avons, c'est une autoroute, les autoroutes A10, A11, A13, il y a 7 denses, assez denses. Alors pour la 10, la 11 et la 13 en direction de l'ouest, et la 7 c'est dans les deux sens de circulation. Sinon pour l'autoroute A6 et A43, c'est plutôt assez calme. Alors la 7 c'est dans les deux sens, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, en fait la 43, il n'y a pas autant de monde en fait que ça. Mais... Ensuite, le 26 décembre, la 6 se réveille au kilomètre 151 déjà. Ouais. Comme d'habitude d'ailleurs, hein, la 6 se réveille au kilomètre 151. En fait, le kilomètre 151, c'est l'endroit où la 6 passe de 3 à 2 voies. Mais non, mais arrêtez là, j'en ai marre. Oh, j'ai pas le moral, mais c'est pas possible. J'ai super le moral avec tout ça. Non désolé là, j'en ai marre des accidents, je veux rouler correctement, ça ne va jamais arriver à Auxerre si ça continue. Regardez là, on a 416 km, on ne va pas y arriver avant la fin de la vidéo si ça continue. Pourquoi j'ai les lacs qui apparaissent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon.
Donc le 26 décembre, c'est une journée de départ, c'est après Noël. Bon, donc à 6 danse évidemment, à 7, à 10, à 13, à 10, à 40, 361. Aussi danse la 7 évidemment, et la 43, c'est dans les 200 de cercle aussi. Aux alentours de 16h, la 4, sortie de Paris évidemment, et la 4, aux arrivées sur Strasbourg, au piège du Schwardingstein. Et saturé, c'est pareil pour le tour d'A6, hein, de Oxy-Amsterdam. La 7, c'est la même chose, mais la 7, je crois, c'est en version du sud, plus en version du sud, je crois. En version du nord. La 13, évidemment, en version de la Normandie. La 81, au piège de Vitré. La 5, la 10, la 43, la 40, la 48, pareil, la 48 et la 61 sont denses, apparemment, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Et les autoroutes ADCR 71 sont aussi denses aussi en direction du nord, en sens des retours. Et pour les autres A7, A6 et A61, c'est dans les 200 de circulation pour la circulation. Et danse, voilà, je dis danse. Alors, évidemment, la circulation ne danse pas en fait, elle est dense. Elle est... Voilà, vous avez compris. Enfin, j'espère que vous avez compris. Hein. Sinon là, je me serais posé quand même des questions. Le 27 décembre, c'est le jour en fait, c'est le jour du grand épisode neigeux. Alors il a neigé très tôt, hein. D'ailleurs je me suis relevé vers, je crois, 5h du matin. Je crois il y avait déjà des gros chutes de neige sur les autoroutes A31. Je me souviens de Luxembourg jusqu'à Beaune. Sur l'autoroute A6 aussi, je crois, de Auxerre jusqu'à Lyon, l'A5 de Trois-Langues, l'A36 de Mulhouse jusqu'à Beaune. Toutes les autoroutes alpines ainsi que l'autoroute A7 aussi, l'autoroute A7 en bas de Lyon, avec de la neige je crois, mais il n'y avait pas de déneigement, je pense que c'était du salage, je sais plus. A51 nord et sud aussi concernés, et l'autoroute A8 je crois Nice. Et oui, sinon il y avait aussi du vent violent aussi sur il y a une neige aussi sur l'autoroute. Ah tiens, j'ai la liste de la neige en fait. Alors, la neige, A4, A6, A31, A33, A36, A40, A41, A43, A51, A72, A89, A410, A430, A432. Il y avait du salage sur le compte A7, A8, A46 et A48. Voilà, je m'en souviens. Faut que j'avais noté. Sinon, il y avait aussi du vent violent sur toutes les autoroutes du réseau confié au TSAPN. Autour du réseau confié, c'est A10, A11, A71, A81, A87, A28. Et sur le réseau SAPN, c'est A13, A28, A29, A150, A139. Voilà, je me souviens. Et donc, aux alentours de 9h, sur l'A6, il y avait déjà 25 km de bouchons. En fait, les bouchons, ils ont commencé même avant les 9h, en fait. Mais c'était des bouchons causés par les chasse-neige, mais c'était des bouchons mobiles. Donc, on ne peut pas vraiment appeler des bouchons, même si c'est saturé, on va dire pas vraiment des bouchons. Donc, à 9h, l'A6, 25 km de bouchons. La 40, 43 km de bouchon, hein, le point noir c'est le tunnel du VUH au niveau de Bellegarde. Sur l'autoroute A43 c'est 68 km de bouchon dans la Maurienne, c'est-à-dire de Étang jusqu'à Modane. Voilà. Aux alentours de 16h30, alors oui, je sais c'est un gros décalage, A4 il y a 2 km de bouchon au péage de Schwardingstein, A6 113 km de circulation. 113 km de bouchon, la 40 110 km de bouchon, la 40 dans le sens des retours c'est 32 km de bouchon, la 43 c'est 125 km de bouchon, et Lyon-Albertville se faisait en 6h30, la 51 c'est 23 km de bouchon, la route nationale 90 c'est 43 km de bouchon, et toujours le vent tourne. Voilà, donc là il y a un gros trou noir, mais un gros trou noir, je vous promets que j'ai gagné, mais je vais vous raconter en fait ce qui se passe. Hors vacances, alors dans les villes la circulation est bien plus faite que d'habitude. Voilà, il y a moins de difficultés rencontrées qu'en septembre ou en octobre. Ou parce qu'en septembre ou en octobre, je suis en région parisienne, vous pouvez atteindre, je crois, 250 voire 300 km de bouchons le matin. Alors que pendant cette période-là, on peinait à dépasser les 250. Voilà, à 7h30, je suis en état 147 km de bouchons, mais sans plus. Mais j'ai des coups de là, il faut bien de laguer, vraiment sur le multijoueur, j'ai récemment désactivé le orange du dynamique, enfin dans la vidéo sur le multijoueur, vous pouvez pas encore le voir parce que je l'ai pas encore fait en fait. Voilà. Donc je sais, c'est un gros anachronisme là, je suis tellement pas mis. Donc je vais vous parler ça dans une prochaine vidéo, la progression sur YouTube.
Voilà, avec cette vitesse à 70 km/h, alors que la 31 en réalité à Metz est limitée à 110. Ah bon, les déplacements pour camion interdits, mais ok, il va pas du tout passer. Mais voilà quoi. Ah ouais, j'avais vu qui, il avait aussi dépassé le péage, Alex. Alex avait dépassé le péage, ouais, le péage de UJ se trouve. Il y a même plus de péage de UJ là, ah, c'est le péage de point mouchon pire. Hein. Et ben, beaucoup moins de péage. Donc, le 1er février des fortes chutes de neige, mais le trajet qui est. Ah, c'est pas les vacances encore. Carte des points gênants. Qu'est-ce que c'est que ça, les cartes des points gênants? Ah oui, c'est vrai. Il y aura des petites images aussi qui accompagneront la vidéo. J'ai oublié de dire, mais il y aura des images. Voilà, qui vont montrer l'ampleur du trafic et tout. Voilà. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est des images qui apparaissent. En fait, c'était comme ça. Donc, voilà. Le 1er février, il y avait des fortes chutes de neige dans les Alpes. Donc, comme c'était un jour, c'était pas un jour de départ, donc il y a eu peu de. Monde, qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah ouais, a little dude. Donc le 7 février, c'est un jour de départ à 43, à 71, à 85, était très ralenti en direction des Alpes. Pardon, la 85 et la 72, c'est environ 15 km de circonscription dans la région de Vierzon. Oui, c'est la jonction à 85 à 72 se fout sur une seule voie. Donc hein, voilà, les bouchons peuvent apparaître. D'ailleurs, à 85, c'était bouché à partir de 5 avant 5 heures du matin, je crois. Au péage de Vénier, à l'est de Tours, bouchon dans les 200 des circonscriptions, d'ailleurs, j'ai pas compris. Voilà. Et donc la 89 Est, c'est-à-dire là, les 5 derniers kilomètres de l'autoroute à 89 étaient complètement saturés au niveau de l'entier. Regarde, 5 km de bouchon au niveau de la bretelle, on pouvait passer sur la nationale 489. Voilà, c'était un bouchon assez important quand même. Hein. D'ailleurs, le temps perdu était de 20 minutes. Et la 43 était évidemment ralentie. Mais, voilà, sans que sa route nationale 90 d'ailleurs était assez quand même assez vite. À la 43, l'accès au tunnel de l'Épine n'était pas ralenti, c'était le tunnel de Dublin qui était plus ralenti en fait. Donc le 14 février, alors à 5h30, la 1 est coupée, enfin, en fait la 1 était coupée en fait depuis le 13 février en fait, parce qu'il y avait un accident de poids lourd en fait, si vous en souvenez pas, en fait c'était 3 poids lourds je crois qui s'étaient rentrés dedans. 3 poids lourds et un plus impliqué au niveau de Compiègne au nord de Paris. Donc ça a causé un gros incendie et l'autoroute était coupée dans les deux sens de circulation. Et donc à 5h30 je crois, la 1 était encore coupée en direction de Paris. Et en direction de Lille en fait c'était les travaux une voie circulation. Enfin, bon, en plus, je crois il y avait un bouchon qui s'était formé, mais aux alentours de 10h, la coupe était terminée, mais les travaux étaient toujours présents et les bouchons aussi, mais ça s'est dissipé quand même assez rapidement. Voilà. Donc à 4 km de bouchon déjà, oui, 4 km de bouchon au CER à 5h30 du matin. Et donc déjà il y a une régulation du kilomètre 151 au kilomètre 178 entre Auxerre et Nutri. 110 km à l'heure maximum. Voilà. À 6h30, la 6 prend 12,5 km de bouchon et la 432, 1,4 km de bouchon au péage de la Boisse. Le péage de la Boisse qui se trouve à l'est de Lyon. Et il y a pas mal de monde. Il y a un truc marrant aussi avec toute info, c'est que lorsqu'il y a un bouchon au péage de la Boisse, ils disent la 432 en direction de Marseille. Or, la 432 ne va pas en direction de Marseille, mais en direction de Grenoble et de Chambéry. En fait, c'est la 46 qui va en direction de Marseille. Voilà, si vous plongez sur la 432, il y a une jonction avec la 43. Et la 43 qui va en direction de Grenoble et de Chambéry, ou en direction de Lyon et pas de Marseille. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire autour d'un coup. À 8h35, la 6 comptait déjà plus de 70 km de circulation de l'accordéon. La 43, 50 km, la 432, 2 km, et la route nationale 87, 9 km. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une régulation de vitesse. Je crois que sur l'autoroute A48, sur l'autoroute A48 au niveau du péage de Voreppe, hein, d'ailleurs, en fait, la régulation de vitesse, en fait, c'était...
interrompre le trafic au péage de Voura, c'est-à-dire que les véhicules qui ont traversé le péage, ben, ils restent à cette gare de péage et n'avancent pas, en fait, ils font ça en fait, pour aider le trafic, puisque sur la route nationale 85, il y a 12 gros kilomètres de bouchons, de pont de Clay jusqu'à Visil. Hein. Le point difficile, en fait, c'est avant le giratoire de Champagné et après le giratoire de Champagné, ça va bien. Ça va bien. Et il y avait aussi des informations sur la route départementale 1091, mais on les avait pas ce jour-là. Donc, c'était un autre jour qu'on les avait. Merci Google Maps. Donc c'était comme ça. Et donc les véhicules, ils attendaient, ils repartaient en fait lorsque la gendarmerie les disait. D'ailleurs, regardez sur la map, là, il y a une erreur de mapping. En fait, c'est pas, il n'y a pas ce gros poteau électrique ici. En fait. Juste un petit poteau électrique avec trois fils. Tout. Pas du. Pas un PLM, c'est 12 fils. Hein. Donc aux alentours de 9h15, grosse forte chute de neige sur le couche de la 89. À 89 entre Ussel et Brive-la-Gaillarde. Donc A89 complètement saturé dans les deux sens de circulation, les nombreux accidents ont été en cours, d'ailleurs un carambolage sur 4 km. C'était prévu sur la 89, mais aucune gêne à la circulation, même s'il y avait 20 km de bouchons dans chaque sens. Voilà. Ah tiens, en parlant de bouchons dans chaque sens, en fait, l'épisode où il joue du 27 décembre, il y a des gens qui s'arrêtent au milieu de la route pour mettre leur chaîne et donc ça pose des bouchons de circulation. C'était aucun risque en fait, voilà, 50 km de bouchons dans le bus. J'en avais fait un post Facebook d'ailleurs, hein, si vous demandez sur mon compte Facebook professionnel, j'ai des réglages, je l'avais noté. J'ai pas noté sur ma page Facebook, mais j'avais noté sur mon compte. Là. Donc à 9h30, à 6 et à 43 complètement saturé, à 6, 60 km de bouchons, à 43, 67 km de bouchons, d'ailleurs le bouchon. A ralenti, apparemment les bouchons se sont plutôt mis sur le contacteur. Oula. Oh non, on va pas recommencer ça là, arrêtez, vous abusez. En plus, il y a la gendarmerie là-bas. Ah ouais, il y a une bloquante que t'as choisi. Allez. Oh non! Oh là là! Mais non, je suis à double. Au revoir. Oh. Mon Dieu, le panneau là qui est à double. J'espère. Hein. Bon. Donc, à 5, à 39, à 40 et à 40, tout est dense, il y a des tapis. Route nationale 20 à Tarascon sur Ariège, enfin ou Accepta, il y a des 3,5 km de bouchons et sur la route nationale 99 km de bouchons. Et oui, on voit les moutons en fait, hein. Enfin, tous ces mêmes axes, hein. A6 à 43, tout la N85, alors pour la N85, il existe un itinéraire, tu prends la route nationale 87 en direction de Chambéry, et non, vous n'allez pas remonter sur Chambéry, pourquoi vous reprenez la route départementale en direction de Biville. Vous évitez toutes les difficultés. Voilà, ils vont récupérer la départementale 1091 à Visil. La nationale 85 au même endroit. Sinon sur l'autoroute A6, vous prenez l'autoroute A5, même si la 5 est dense. Il faut prendre l'autoroute A5 puisque cet hiver la 5 n'était pas bouchée. Et ça, j'étais très déçu et en colère puisque en fait l'année dernière, on a quand même réussi à avoir des bouchons sur le compte à 5 et même plus de 100 km de circulation d'accompagnement sur le compte à 5 entre 3 et long. Et ça, j'étais vraiment content. Et cette année, on n'a pas eu ça. Donc j'étais déçu. Donc ça prouve qu'en fait, que soit c'est la crise, soit les moutons ils prennent tous sur le compte à 6. Le compte à 6 complètement saturé hein, de Paris à Lyon. D'ailleurs, et ça, j'étais pas content. Ensuite. À 11h, à 6, les bouchons ont presque disparu, 31 km de bouchons, à 40, 26 km de bouchons, la 43, 58 km de bouchons, apparemment, il y a moins de bouchons que vous. Mais la route nationale 20 augmente 7,5 km de bouchons, route nationale 85, 9 km comme à son habitude, route nationale 90, 14 km. Ensuite, après, j'ai pas regardé le trafic. Voilà. Donc là, week-end suivant, le 21, donc à 6h15, à 6. Déjà 27 km de bouchons et la 89 il neigeait.
à 7h40, là, un 400 mètres de bouchon, je crois, en direction de Paris, à peu près 25 km. A6, on passe directement à 54 mètres de bouchon, il ne fait même pas 8h. A5, à 43 mètres, danse évidemment. À 8h15, début de la neige. Ah, c'est l'épisode neige, tiens. Il commence enfin à neiger, oui, parce qu'en fait, Autoroute Info attendait la neige et pour lancer leur saleuse, leur déneigeuse, parce qu'en fait, il pleuvait. Donc, le sel dans la neige, c'est pas top, en fait, voilà. C'est pas top, d'ailleurs, c'est en plus ce jour-là où il y a eu un record de tweets haineux envers APRR. Et regarde Autoroute Info. Ensuite, donc, début de la neige à 6, 73 km de bouchon, et la 40 avec 65,5 km de bouchon, c'est pas une note. À 40 quoi, 80 km de bouchon, à 50 il y a 2,5 km de bouchon, tandis que la neige sur la 89 se termine. Voilà, l'épisode de neige se déplace en fait, il passait de Clermont-Ferrand jusqu'à... Ensuite, à 62, 18 km de bouchon, en fait, c'est à cause d'un accident qui s'était produit sur la bretelle avec la 65, c'est pour ça. Donc, il y avait une sortie obligatoire, et donc ça causait. Ah non, alors, ce jour-là, ça n'existe pas. Mais il y avait quand même 18 km de bouchon sur l'autoroute à 62. Donc, 14 secondes, c'est 15. C'est à ce moment en vacances. Ah non, alors, c'est à ce ok, c'est la deuxième semaine de la zone, c'est bon. N23 km de bouchon, N85 4 km de bouchon uniquement, oui, on n'a pas de quoi. Route nationale 90, 17 km de bouchon, oui, du feu tricolore de aigle blanche, oui, le fameux feu tricolore de aigle blanche. En fait, c'est un feu qui régule aussi le trafic, en fait, pour éviter la formation de difficultés, en fait, entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Et en plus, entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice, j'avais aucune information de trafic. Merci Google Maps, d'ailleurs, en plus, Google Maps vient d'ajouter la rue nationale 90 au trafic uniquement il y a quelques jours, c'est-à-dire fin mars, le 20 mars, je pense que c'est comme ça. Et donc j'étais fortement en colère puisqu'en fait plus personne n'a le ski. Oh là là, pourquoi ils ont pas fait ça avant? Ne plus voir les grosses difficultés sur la rue nationale 90 là. Oh, donc là on va dire que les statistiques sur la nationale 90 sont un peu fausses. À 51, 2 km de bouchon, 2 km de bouchon, je pense, au piège de la sauce ou au piège du bif. À 40, on dirait, dans le sens des recours, 52 km de bouchon. À 43, 42 km de bouchon, au national 20, dans le sens des recours, 4 km de bouchon. Alors, il y a un cas sur la 40, en fait, à partir de Bourg-en-Bresse, les PS, les poids lourds sont interdits. D'ailleurs, à 404, la route départementale 1084 était complètement impraticable et interdite, même au poids lourds. Voilà. Dans la neige, ils ont extrêmement envie d'ailleurs, lorsque les neiges se passaient, en fait, la neige revenait. Voilà, donc ça n'a pas empêché quand même de mettre des tweets haineux. Non, je suis fatigué là. Oh non, déjà. Oh là là. Oh non, dans 3 minutes, c'est déjà terminé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, il faut que je me dépêche là. Faut que je fasse une petite accélération. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Oh non, je crois que c'était le petit tour, faut que je fasse ça. Accélère, voiture. Donc à midi, à 6, avec 68 km de bouchon, véhicule en feu au kilomètre 183, donc 3 heures de temps de parcours. À 40, 85 km de bouchon. À 43, 63 km de bouchon. Ça, évidemment, c'est bon sens du départ. 3 heures de Lyon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? 3 heures de Lyon à Grenoble, je crois que ça doit être ça. Et 2h50 de Grenoble à Lyon, ça doit être un truc de Lyon. Chambéry, je crois que c'est ça. A 51, 2 km de bouchon. A 62, 18 km de bouchon, ça change pas. N24 km de bouchon. N90, 22 km. A 7, et oui, je ne peux pas oublier le tout à 7 dans le sens des départs, c'est-à-dire A 7, je crois, c'est dans le sens Orange-Valence, 25 km de bouchon. Et je te dis dans le sens des retours, la 40, 75 km de bouchon. A 43, 70 km de bouchon, ça laisse plus dans le sens du départ. N20, 7,5 km de bouchon. À partir de 4, à 14h30, la 40, la 40 était complètement impraticable, voilà. À 41, à 49, à 7, danse. Ok, danse. La barrière. À 15h, ok. Ah oui, vous pouvez avoir aussi quelques photos, hein. Voilà, photos des véhicules abandonnés ou des personnes qui s'attendent de la route, mais des chaînes, on sait pas. Non. Oh non, je suis en retard. Oh non. C'est une question.
Voilà, oui, tourne même pas à gauche, il va m'énerver. Hein. Oui, je vais faire un petit dépassement là, c'est sérieux. M'énerver, voilà, je roule sur les zébras. Mais... Voilà. Oh. Donc, à 16h, la 6, le bouchon terminé. À 40, 63 km le bouchon. À 43, 66 km le bouchon. Avec des piétons, kilomètre 41,5, temps de parcours, excès 4h. Hein. Et à 48, 40 km de bouchon. À 49, 10 km de bouchon. En fait, les 10 km de bouchon, ça s'est passé. Droit, reste droite. Et avant la chanson, il y a 26 km de bouchon. Dans le sens des retours, à 40, 70 km de bouchon. Ou par contre, les départs commencent c'est à se terminer. À 43, 77 km de bouchon. À 48, 45 km de bouchon. J'imagine bien en fait les conducteurs qui sont épuisés, qui peuvent plus tenir quand même. Ensuite, à 43, à 43, 77 km de bouchon. À 48, 45 km de bouchon. À 49, 15 km de bouchon. N532, 4 km. Oui, en fait, sur les derniers kilomètres de la N532, en fait, pour accéder à la bretelle vers la nationale 7 qui va en direction de Bourg, il y a 4 km de bouchon parce qu'en fait Autoroute Info avait incité les automobilistes à faire le détour par Valence. C'est un détour très long par la 41, la 49 et l'autoroute 7. En plus 26 se frottent les mains puisqu'en fait pendant toutes les vacances ils se sont mis, ils n'avaient aucune information à dire. Voilà, ils se sont même mis à informer les difficultés de circulation dans les Alpes hein, sur l'autoroute 43 de l'acheter complètement choqué. Donc là A7 se prête se frotte les mains puisque le route A7 est très dense d'ailleurs, en plus c'est une circulation d'accordéon entre Valence et Bourg hein. Sur le route A7 on se croirait en été, mais voilà. Mais dommage que la webcam de Valence était inaccessible, sinon ça aurait été marrant. Donc à 18h en continuant on a à 40 dans le départ 65 km de bouchon. À 43 on passe à 80 km de bouchon, tant de parcours qu'il y a cette route qui est excès 3 heures. À 48,8, 39 km de bouchon. À 40, dans le sens des retours, 59 km de bouchon. À 41, 20 km de bouchon avant d'atteindre Grenoble. Ah tiens, on est dans une station de service, c'est sympa. Oh non, 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 non. Voilà, je me suis pris le coup. Ah, c'est sympa ça de nouveau dans une station de service. J'espère que vous dormez. Pas bon, on va voir notre nouvelle essence. Alors, on a presque une journée pour faire tout ça. Et voilà. Allez, un petit peu de marchandise fragile, ça fait pas bon. Donc là, nous allons prendre notre petite remorque. Ah non, la bande, nous allons d'abord faire un petit dodo. En plus j'ai assez de sang, donc pas besoin. Donc là on va acheter le garage. Donc là gros bouchon pour accès. Je tricolore à accès. Ah il est 19h, c'est la sortie du bureau, c'est pour ça. On manque. Et alors, sur dans son sens retour toujours à 41 km de bouchon, à 43, 50 km de bouchon. Après Beaujoin, c'est vide, il n'y a aucun véhicule. La 43 est fluide, après Beaujoin qui a lieu en direction de Lyon. Mais je sais pas quel est le temps que j'ai toujours fermé cet axe. À 48, 24 km de bouchon, à 49, 5 km de bouchon. N532, cette fois-ci on passe à 5,5 km de bouchon. Ça devient de plus en plus important. Donc, on retrouve faille, la 40. Ça prend beaucoup de la 40. Allez, c'est chelou ça. Ok. Bon, apparemment, aux alentours de 20h, je crois. Ah, tiens. Tiens, voici une technique pour fluidifier le trafic. En fait, tu bloques tout le trafic en amont. Voilà. En fait après t'avances au fur et à mesure comme ça pour écouler un peu plus correctement le trafic. En plus c'est fluide, donc on va pouvoir avancer plus correctement.
Donc là voilà, le trafic c'est cool plus, c'est cool mieux comme ça en fait, parce que si tout le monde est collé, eh ben, le bouchon risque de s'agrandir, alors qu'en faisant un bouchon en fait, en créant un autre bouchon en s'arrêtant au milieu de la route en fait, bah le bouchon et bah il faiblit voilà un gros espace devant pour pouvoir fluidifier le trafic en fait devant, comme ça au feu tricolore il n'y aura plus personne, et donc dès qu'on avance et bah le trafic reprend correctement en fait. C'est la technique qu'il faut en fait sur APRR, le tunnel du Boulin, le tunnel de l'Épine, le feu tricolore à Aigle Blanche, ce qui s'est passé aussi pêche de Bourg. Bon, même si le bouchon est beaucoup plus important en amont en fait, et bah la zone de bouchon où le bouchon où il devait se produire normalement, et bah il n'existera pas. Voilà, il aura disparu. Voilà, ce qui est à gauche. Donc là on va bloquer le trafic en fait ici. Et lui s'arrête tout seul. Ah bah tiens, feu rouge pour lui. Bah ok hein. Aucun camion n'est passé en fait derrière moi. Voilà, petite technique. Hein. Des techniques de fluidification trafic. Voilà, je fais un petit cours de d'information trafic. Vivement qui est les cours d'autoroute. Hein, on peut parler de l'infrastructure. Voilà, les cours. Hein. Voilà, quoi, c'est mieux que les cours de file d'attente hein, dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Si vous avez regardé la vidéo du rire jaune, vous avez compris de quoi je parle. Les files d'attente. Hein. Bon, sinon le chaussée, le cours chaussée est utile hein, pour savoir les différents trucs de l'asphalte. Hein. Voilà, ça pourrait m'être utile. Mais... Oh non, ah, c'est la chanson Hit Day, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vrai que la musique, elle marche pas. Ok, d'accord, je vais dire que c'est mieux, ça, c'est une énergie très chouette. Bon, voilà. Donc là, nous allons choisir notre petite livraison. Donc là nous sommes à Auxerre et donc nous allons essayer de descendre encore plus au sud pour pouvoir atteindre en fait... Eh mais ça ressemble à Torino. Auxerre ressemble à Torino. Je m'en retrouve. Ok. Nous allons essayer de descendre plus au sud mais on devra rouler sur la map de base et ça c'est un peu de... Mais c'est pas très grave parce qu'après on devra passer pas mal de temps en fait en Russie. Là après avoir fait le voyage en fait sur la map de Macha, on fait tout le sud là. On fait le passage en compagnie, on remonte, on passe en Russie, et après, on termine notre voyage en Amérique du Sud. Après, on va peut-être changer de map. Et on va essayer de faire ça en 15 vidéos. Donc, on reprend de Auxerre. Alors, Milano, ça m'intéresse pas trop. Vas-y, ça m'intéresse, mais... Oh non, j'ai pas envie d'aller au Royaume-Uni. Voilà, même si le Royaume-Uni, c'est bien. Enfin, voilà, mais j'ai pas très envie. Même si au Royaume-Uni, regardez, il y a des nouvelles choses. Du c'est très sympa, je pense là. Voilà. Ça c'est bien. Ça faudrait que je pense à rouler dessus un jour. Hein. Voilà, ça on va rouler de ça. On va rouler dessus. Voilà. Ça aussi ça m'a l'air pas mal. Bon, voilà, on pourra ça hein, une autre fois ou dans une nouvelle chaîne YouTube. Dans une nouvelle chaîne YouTube, voilà, je vous spoil déjà quelque chose. Enfin bon. Je sais pas si c'est une nouvelle chaîne YouTube ou des rasés. On va choisir notre livraison là. Stop ou blabla. Alors non, j'ai pas envie de retourner là-bas. Milano, toujours Milano. Pour vous revenir, j'ai pas envie de remonter. Le Havre, Calais, Paris, Metz, Strasbourg. Ouais. Non. Strasbourg. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas si longtemps, c'est que j'ai chaud, non. Ah non, pas envie de faire chaud, non. Non, je peux, y a pas de truc qui m'intéresse pas si bon. On va chercher une livraison à Disney. Pour Saint-Pétersbourg, je suis pour Venise, non, c'est trop bon. Faut que je vais prendre une décision. Pour Lyon. Ouah, pas mal là, la cargaison du bus. Ah, excellent. Excellent. We'll be right back.
cette vidéo, hein. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis, vous en voulez plus, si vous n'êtes pas touché, vous n'avez pas aimé. Hein. Et dites pourquoi, hein. Si c'est à cause de ma conduite, bah, j'y peux rien. C'est comme ça, je suis comme ça. Hein. Là, commentez la vidéo, partagez-la. Et suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Miiverse. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Et au revoir. Hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microphone.